J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est super, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ce nouveau commentaire sur la chaîne de la Obscure Clan. Et on commence directement avec le gameplay qui nous a été offert par le player Obscure Frankie, qui va nous réaliser un magnifique double nucléaire en groupe de 3 à l'aide de sa Kuda sur la map Combine en mode jeu de domination. Donc n'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires, à dire si mon commentaire vous aura plu, à liker un maximum la vidéo, à vous abonner, à la partager, c'est la récompense, ça nous fera extrêmement plaisir. Et surtout à récompenser le player, sa chaîne sera en description. Allez checker sa chaîne, allez vous abonner, ça le fera vraiment très plaisir, et à nous aussi. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite news concernant bien sûr Call of Duty Black Ops 3. Une rumeur circule annonçant ce que contiendrait le deuxième DLC de Black Ops 3. Donc voilà ce qu'il contient, vous pouvez tout apercevoir sur le screen en haut à gauche. Je tiens avant toute chose à préciser que ce n'est pas officiel car ce n'a pas été annoncé par Activision ou Treyarch. Donc le titre, comme vous pouvez apercevoir, serait initiant un DLC comportant 5 nouvelles maps et encore une fois malheureusement pas de nouvelles armes comme on avait pu retrouver sur Black Ops 2 et AW et peut-être d'autres Call of Duty comme par exemple sur AW. On avait l'AE4 et l'OHM, et là sur ce second DLC, Treyarch n'est pas encore décidé à mettre une nouvelle arme. A première vue, il n'aurait également pas de map zombie, mais personnellement, je m'en fous car Der Eisendraro est tout simplement une magnifique et une putain de map, et peut-être la meilleure map zombie de toute l'histoire des zombies de Call of Duty, en tout cas à mes yeux. Donc en première map, nous retrouverons Juixion. Donc oui, sur la photo, c'est pas très lisible, excusez-moi, c'est tout à fait possible que je prononce mal ou ne dis pas le nom exact de la map. Donc comme je disais, Juixion, une map qui à première vue va se passer dans la rue, voilà un peu en place entrevue, je sais pas trop quoi. Donc je pense que ça va être une map assez petite qui ne sera pas immense et qui peut être très fun. En deuxième map, la map Hangar, enfin je crois. Putain, c'est vraiment illisible, c'est un truc de ouf, c'est vraiment illisible, hein, mais je vous promets, hein. J'ai le screen devant moi, j'arrive pas du tout à lire, c'est vraiment un truc de malade. Si je fais un sans faute en lisant le nom des maps, je suis un putain de boss, les gars. Bref, nous pourrons retrouver un genre de héliporteur comme on a pu retrouver sur Advanced Warfare avec la map Horizon. Et à mes yeux, c'est vraiment quasiment identique, sauf que bien sûr, Black Ops 3, c'est un peu plus futuriste. La troisième map, c'est Rooftop, il me semble, qui me fait penser à la map Meltdown de Black Ops 2. Donc oui, je ne donne pas assez d'informations sur les maps, mais comme je vous dis, j'ai juste un screen devant moi, aucun trailer n'est sorti sur ce DLC. J'ai jamais vu les maps et je ne sais peut-être que, là comment je les décris, peut-être qu'ils ne sortiront pas du tout comme ça et je vous prie m'excuser. Parce que là, j'ai vraiment rien, il n'y a aucun trailer qui est sorti, je peux vraiment pas vous en dire plus. En quatrième position, c'est la map Birtude qui se passe dans la rue également, mais cette fois-ci, c'est dans l'aspect un peu fat du monde, tu vois. Car si j'ai de bons yeux, c'est une allée de rue avec plein de voitures carbonisées, complètement pétées, avec des bâtiments complètement défoncés. Et pour finir, la map dit Inseln, donc oui, encore un nom allemand apparemment, donc une map où il a l'air de pleuvoir beaucoup, où nous aurons sûrement l'aspect de nuit, car aucune map de Black Ops 3, en tout cas, est dans l'aspect nuit. Voilà, ça peut être vraiment très fun et assez galère pour niquer les ennemis, et avec les jetpacks, etc, etc, je pense que ça peut rendre cette map assez marrante et assez difficile pour tenter des défis nucléaires. Comme j'ai dit, toujours pas d'armes, mais ça doit être parce qu'il n'y a pas longtemps, de nouvelles armes comme le Mitzgarant, le Marshall 16 et le Enix Shadow Claw sont sortis. Ils ne font pas, donc forcément, ils ne vont pas rejeter de nouvelles armes. Malheureusement, je n'ai pas pu récolter la sortie de ce nouveau DLC. Je vous prie de m'excuser. J'espère que ce putain de DLC va sortir car il a l'air vraiment très sympathique. Donc, voilà les gars, dites en commentaire si mon commentaire vous aura plu, tout comme le gameplay. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Peace.